Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Merci d'être présente sur Allo Camping Car TV. Je suis là avec David Alonso. David, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc David, c'est le responsable des différentes concessions du Sud-Ouest. Il y a donc celle de Pau. Pau, Bayonne, Villeneuve-sur-Lot et une partie des véhicules de notre concession espagnole, Irun en Espagne. Ah, en Espagne aussi. Donc là, effectivement, vous avez fait de gros efforts et cet arbre. Tout à fait. Vous avez ramené combien de véhicules ? Alors, il y a plus de 120 véhicules exposés et plus de 150 disponibles, neuf et occasion. Donc, du neuf et de l'occasion. Et qu'est-ce qu'on a comme marque ici ? Alors, nous avons actuellement la marque Bavaria sur le stand sur lequel nous sommes. Nous avons Benimar, Mobile Veta, les fourgons Westfalia, Helios, Rapido. Et nous avons également, Camperève. Et puis, pour finir, la marque Rapido, qui est notre marque produit haut de gamme. Et ensuite, tout un parc occasion, du profilé, fourgon, intégral. Voilà, nous avons vraiment toute la cible que recherchent nos clients. Alors, est-ce qu'on a encore des véhicules disponibles en ce moment ? Parce que c'est vrai qu'on est pas mal hors vente sur certains produits. Est-ce qu'on a de la disponibilité sur Tarbes ? Alors oui, actuellement, nous avons des véhicules qui sont disponibles puisque la force de notre groupe fait que nous avons un engagement annuel assez important et cela nous permet de répondre favorablement et surtout rapidement à nos clients. Nous sommes en mesure de livrer certains véhicules avant Noël. D'accord, parle-nous un petit peu de ta concession parce que je sais qu'elle a très très bonne presse ici. Ah, il a oublié de dire qu'il y avait Villeneuve également, t'as oublié de préciser. Oui, on l'a dit, Villeneuve-sur-Lot, loisir 47. Donc la particularité, c'est quand même un service après-vente, les gens t'aiment beaucoup ici. Eh bien, on va dire que ça fait 15 ans qu'on travaille la notoriété sur le service client, sur la relation client. C'est vrai que chez Hippocampe, c'est notre leitmotiv. Et puis surtout, notre savoir-faire sur l'aspect technique des choses, sur lequel on essaye vraiment d'être toujours à la pointe. Nous formons nos techniciens par les équipementiers, les constructeurs, les fournisseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une réputation, on va dire, régionale à ce niveau-là. C'est vrai que c'est des concessions qui sont connues. Et tu as monté aussi un atelier. Tout si à tu fait. Veux en parler à nos clients. Alors, nous avons actuellement un atelier qui s'appelle ATC 64, qui lui fait uniquement de la réparation, grosse réparation, suite à un accident, un choc, ou également des aménagements. Mais aussi, on fait de l'aménagement sur mesure de vannes. 4x4, camionnettes, voitures, on s'adapte à toutes ces situations et c'est ce qui fait le charme de notre concession et la réussite de notre concession. Donc les gens pourraient par exemple acheter un châssis, un véhicule utilitaire, ils viennent chez toi et tu peux leur aménager. Exactement, tout à fait, on s'adapte et on écoute le client, c'est-à-dire qu'on va... On va écouter la demande client et on va s'adapter s'il veut la cuisine ici et le salon à l'arrière et ou le salon à l'avant. On va faire comme le client veut en amenant notre savoir-faire et notre conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos clients en ce moment ? Alors aujourd'hui, bien sûr, la grosse tendance, c'est le van aménagé que l'on va avoir puisque sur le salon, nous avons plus de 26 véhicules exposés donc qui part du toit relevable à 5,30 m jusqu'à 6,36 m. Ouais. Et puis, faut dire aussi quand même que les marques comme Rapido, Bavaria, qui ont un succès exceptionnel sur cette nouvelle saison et sans oublier notre produit premier prix qui est Benimar avec notamment le Tesoro 440 Up qui est un véhicule prêt à partir tip top. Ouais. Je lis un truc là, remorquage, pas de news sur le remorquage des véhicules légers. Alors, sachez quand même qu'on ne peut pas mettre un attelage derrière n'importe quel véhicule, que le PTAC est donné par dans le PTRA. Est donné par le constructeur, donc si vous souhaitez avoir un attelage et si vous souhaitez détracter, demandez-nous à moi, à David ou à l'équipe commerciale qui est présente ici à Tarbes. On est là à votre disposition pour vous informer. Bah, écoute, merci David. Je vais leur présenter un petit peu les véhicules. À très vite. Voilà. Donc là, je vais retourner l'écran et on va vous montrer un petit peu la scène. Donc ici, on est sur le stand Bavaria. Donc il y a une très très belle offre. Il y en a pléthore. Il y en a vraiment. D'énormes offres. Ici, on traverse le stand Benimar. Merci Thierry Nicolas. Je fais un petit tour de salon avec vous. Très clairement, Alain Guillet, je te réponds oui. Parce que je viens travailler fréquemment sur Pau. Et je sais la réputation de cette concession. Et on peut y aller en toute confiance. Un excellent service après-vente et une attention particulière. Donc là, on avance sur les fourgons. Donc il y en a je ne sais combien.
Alors, il y a encore une autre rangée de l'autre côté que où je ne pourrais aller. Donc il y a du choix, du choix, du choix. Là on avance. Vous voyez, magnifique, hein, c'est un bleu nu. Voilà. Donc le stand Rapido avec la nouveauté. Il y a plein de... Je suis vraiment désolé pour ces petits contretemps. Ça, ce sont les joies du direct. Donc tout ça, ce que vous voyez de ce côté-là, ce sont des occasions. Voilà. C'est sur ce pôle central que l'on vous accueille. Voilà. Vous voyez ici l'équipe commerciale. Coco. Voilà, l'équipe commerciale qui vous accueille. Voilà. Donc si vous souhaitez venir nous rencontrer, on est là pour vous informer, on est à votre service. Si vous souhaitez une offre, vous me trouvez sur le stand de Bavaria. À votre disposition, je passerai demain à vous faire un petit coucou. Ben tiens, vite fait, le stand de Wikicampers, que vous devez sans doute connaître puisqu'ils font de la location de particulier à particulier. Donc vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous pouvez déposer votre annonce, c'est très rapide. Et ils gèrent tout, ils s'occupent de tout. Voilà, j'espère que la petite balade vous a plu. Je repasserai demain à vous montrer des modèles sympas. Il y a de belles choses à voir. Et encore une fois, n'oubliez pas de partager la page Allo Camping Car TV, de partager les vidéos. Ça plaira sans doute à vos amis. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure.